à toutes et à tous, soyez les bienvenus aujourd'hui pour un nouvel épisode de Asphalt 8 Airborne. Donc j'espère que vous êtes ravis de me retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode totalement, on va essayer d'être dans le succès. C'est le sens du succès, ça veut dire qu'on va essayer de gagner toutes les courses si on peut bien sûr, voire au moins deux courses à coup sûr. Parce que c'est vrai que la dernière fois je vous ai montré qu'on avait fait des courses un peu n'importe quoi et on a fini limite dernier à toutes les courses. Donc c'est vrai que je suis un peu désolé à ça et je pense qu'aujourd'hui on va améliorer ceci. Donc ce que je vous propose c'est qu'on commence tout de suite à passer en mode jeu. Alors bien sûr si il le veut, qu'est-ce qu'il me fait ouais, là je ne comprends pas trop ce qui se passe. Ma manette n'est plus acceptée. Alors, commande, oui, tout à fait. Ah si, ma manette marche très bien. Non, accélération tour, non. Ah non, 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 j'ai pas d'accélération tour. Ouais, petit défaut, hein, l'accélération tour ne me la prend et moi je ne veux pas. Donc, allez, mode joué, les amis. Et écoutez, regardez, on avait fait pas mal de courses la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait fait celle-ci. Écoutez, on va passer à la catégorie d'après. Alors, on a toujours celle-ci qui a été Tokyo inversé en mode... classique inversé tout simplement, qui est une nouvelle course en classe D. Donc oui, en parlant des classes, j'ai remarqué une petite erreur, on va dire qui est plutôt banale, mais ça m'a plutôt embêté. Alors ce que je vous propose c'est qu'on commence la course Tokyo ou alors on fasse la Guyane classique. Bon, on essaye de finir premier cette fois-ci et pas dernier. Voilà, donc on va commencer la Guyane et on fera la Tokyo inversée juste après. Alors par contre, ajouter le fantôme à la course, non. Voilà, donc si on regarde bien, Sabine, nous avons fait le temps est un total de 3 secondes, donc c'est plutôt pas mal, et la vrille, les deux. Donc comme ça, en même temps, on a déjà les deux objectifs principaux qu'ils nous proposent. Maintenant, il ne reste plus qu'à finir au moins 3e minimum pour avoir une étoile sur 3. Voilà. Donc on va essayer de finir premier pour avoir les 3 étoiles. Donc allez, c'est parti. Donc suivant. Et par contre, on va prendre une voiture, si on peut, bien sûr, assez rapide, parce que vous savez que ce ne sont pas bien rapides. Donc, il y a des 5000 crédits. Non, 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 on n'a pas les moyens, vraiment. Attendez, attendez. 204, 212. Elle est bien, celle-ci, mais je ne veux pas la prendre. 213, non. Ouf, ah bah oui, 258 et 500 et 175 000. Donc, on n'a pas les moyens du tout de la prendre. Donc, oui, vous m'excuserez, je suis très très faible au niveau de la voix, on va dire. Je parle pas beaucoup parce que je viens de me lever et je suis encore un peu, on va dire, dans le mode du réveil. Alors, je vais changer la couleur par contre parce que vous savez que marron, ça me saoule un peu. Ça fait un peu voiture, vous savez, bleu. Ah non, elle est moche. Hein. Grise, par contre, j'aime bien. Voilà, gris, j'aime bien. Puis ça change un peu les couleurs, vous savez. On passe toujours à une nouvelle couleur. Il faut un peu, des fois, je veux dire, comment dire ça, varier un petit peu les couleurs. Pour pouvoir essayer de se rafraîchir un petit peu, tout simplement. Voilà, je suis simple cochon. Alors, ouais, par contre, j'aime bien, mais à chaque fois, ils nous foutent une cinématique au début, et ça, c'est plutôt casse-pied. Ok, c'est parti. Donc, vous avez vu, on a les 100 moteurs maintenant. Ça, c'est un bon point. Oh là, non, non, il va pas commencer ses frises, hein, il va pas commencer à me les gonfler. Est-ce qu'on, par contre, on peut passer en vue intérieure? Et je sais pas s'il y a une mise à jour qui a été faite sur ce jeu avec la vue intérieure. Eh ben écoutez, apparemment non, donc écoutez, on va passer en vue de proche, caméra rapprochée, mais voilà, un con qui vient, non, voilà, tout simplement, on commence bien la course, je vais essayer de ne pas être déstabilisé, alors on va essayer de se concentrer un peu plus à la course, malgré le réveil, on va dire qu'il a l'air assez difficile quand même, voilà, hop, là. Non, freeze encore, non, mais c'est pénible ces freeze, dis donc, t'as pas me fait de freeze toutes les 10 minutes, hein, c'est pas le moment. Voilà, allez, oh, faut qu'on arrive là, faut qu'on y arrive. Bon, nous sommes sixième. Si on continue sur cette allure-là, on va finir dernier. Ah, par contre, regardez, le quatrième est devant nous. Donc, attendez, on passe du... Ah, si, c'est bon, c'est ça, hein, tout simplement, c'est totalement ça. Wow, my god. On a fini cinquième pour finir sixième. Non, mais attendez, je comprends pas, là. Voilà, je vais finir au moins premier. Ah, le premier, il est là. Voilà, on l'éjecte. Bien joué, Raph. Bien joué, continue sur cette voie, tu vas aller loin. je me sollicite, hein, je vous le dis tout de suite, je me félicite tout seul. Parce qu'il est bon des fois de se féliciter. Mais si cette espèce de couillon devant nous ne nous aurait pas doublé comme ça, comme un gros Mac, à mon avis, on serait déjà peut-être loin devant, mais loin. Alors, on va essayer de repasser deuxième, au moins deuxième.
Hop, on va essayer de le coincer. Voilà, bien sûr. Au moins le quête. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'on peut l'éjecter lui au moins? Parce que c'est peut-être lui aussi qui va nous emmerder. Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme voiture, parce qu'elle a l'air d'être différente à nous. Différente à nous. Waouh, waouh, waouh. Oh, c'est chaud ce passage. Ah oui, il faut faire vraiment gaffe à celui-ci. Ouais, si on peut passer par là, non, ce serait plutôt sympa. Waouh, magnifique. Franchement, s'ils se sont mangés le train, on va dire en quelque sorte, nous, on a tout bénef. On a tout bénef, comme ça, on reste loin devant. Par contre, des chemins un peu pourris, hein. Vous trouvez pas des routes elles sont belles. Franchement, le décor est magnifique. Mais les routes m'ont mal l'air... Mais il se fout de ma gueule, lui, hein. Tu croyais que t'avais passé où? Eh ben non, tu resterais derrière. Voilà, c'est tout. Raph, quand il est promis, il essaye de rester premier. Et surtout que je lui ai essayé. J'ai dit, je ne fais pas la promesse, mais je vais tenter de rester premier. Hop là, pas l'antenne. En plus, le décollage de fusée. Oh, magnifique. Franchement, on passe au moment du décollage. Franchement, si ce n'est pas beau comme gameplay, là, à ce moment-là. Ouais, Clévry, tout, regardez, on gagne du nitro en plus. Oh, 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 oh. Mais si ce n'est pas beau. Oh, franchement, là, je suis fier de moi. Je suis très, très fier de moi. Si on peut finir premier dans cette course, ça serait plutôt sympa. Donc, on prend une autre route. Là, on prend la route, une autre route principale, ouais, tout simplement. Est-ce que c'était un raccourci? J'en sais rien. En tout cas, il faut qu'on leur mette une certaine avance à ces espèces de on va pas dire de couillons. Parce qu'ils ont pris les raccourcis, regardez, ils ont pris le raccourci, donc ils finissent devant nous. Mais nous sommes toujours premiers. Et non, nous sommes deuxième maintenant, troisième carrément. Y a pas un problème là? Ils prennent les raccourcis en fait, ils savent prendre les raccourcis. Et ça c'est plutôt sympa, l'intelligence de l'IA en fait. C'est tout simplement l'intelligence de l'IA. Est-ce qu'on peut leur passer devant, bien sûr, en étant toujours sur le dessus? J'en sais rien. J'en sais rien parce qu'ils m'ont l'air d'aller bien vite quand même aussi, il faut dire... avec tout le boost qu'on avait, on n'a pas réussi à finir premier. C'est pas vrai. Et nous avons fait 2 tours sur 2. Donc on va essayer de pas se tromper là. Le nitro, faut qu'on le récupère. Ah, ils ont encore pris le raccourci, les amis. Ils ont encore pris le raccourci. Donc ils vont nous mettre une pilule là. Je le sens. Et pourtant, j'ai beau mettre le boost à fond. Faut qu'on finisse au moins. Allez, deuxième. Au moins deuxième. Non. Pas quatrième. Non. Là, ce n'est pas possible du tout. Ouais. Non. Voilà, par contre, si on peut lui passer devant celui-là, parce que la ligne d'arrivée, je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Écoutez, on va prendre cette route-là, et ça a l'air d'être un raccourci en plus. Donc écoutez, cinquième? Non, c'est pas vrai. Attendez, on était premier, on passe troisième, cinquième, voilà, quatrième, donc ça va, ça me va mieux. Ah non, en fait, c'est même pas un raccourci que j'ai pris, hein. Je pensais, petite erreur de calcul, j'ai voulu la jouer finesse. Et ben non, en fait, nous finissons... Cinquième, oh dommage, oh, vraiment dommage. Je suis désolé. Vous voyez, on était bien parti en fin de compte et on finit deuxième. Cinquième plutôt. Carrément cinquième. Bon bah c'est pas grave, hein. On va faire comme ça. C'est un peu dommage quand même parce que je m'attendais pas à finir. On va dire cinquième. Putain merde. Passer. Médaille zéro. Tout simplement. En fait, il nous faudrait plus d'argent aussi d'un autre côté. Pour pouvoir la remonter un petit peu plus la voiture. Et éventuellement passer... voilà, Guyane classique, toujours un, 2 étoiles et pas 3. Bah écoutez, on va passer en Tokyo. Voilà, classique, tonneau 2. Et on va changer de voiture carrément. Mais par contre, nous n'avons pas les moyens. Ce qui est bien dommage, c'est qu'on ne peut pas revendre les bagots. J'aurais bien aimé la revendre, celle qu'on avait. La Tesla Model S. 212 km/h, 4 secondes 11 pour passer de 0 à 100. Et là, 5,60. Donc écoutez... Elle m'a l'air beaucoup plus rapide hein, quand même. 3,92, mais elle est beaucoup moins rapide au niveau vitesse de pointe. Écoutez, on va prendre celle-là dans ses courses. Et on va tester avec la Tesla Model S. Je crois que c'est ça, hein, c'est Model S, je ne sais même plus du tout. Donc il nous faut 2 tonneaux et 2 vrilles pour pouvoir valider au moins les 2 objectifs principaux. Donc allez, c'est parti. Oui, accélère donc. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, voilà, voiture électrique encore une fois de plus. Voilà, ils nous remettent la voiture électrique. L'accélération, je sais pas, chat quand même, hein, je trouve. Voilà quoi, hein, je pensais qu'elle était beaucoup plus rapide au niveau accélération, mais pousse-toi devant, toi. Il nous a ralenti dans notre boost. Ah, oh, le chaliot. Bon, je sais pas grave, de toute façon, on a une bonne voiture. Après, il faut voir aussi derrière, en accélération, elle est beaucoup plus rapide. Donc, faut dire que on a peut-être plus de chances de finir deuxième ou troisième avec celle-là qu'avec l'autre que nous avons juste avant. On va pas se manger l'arbre hein, comme des gros nazes parce que... Oh là là, 43. Nous sommes 43e. Non, je plaisante. C'était le 4-3, j'allais dire une connerie, vous voyez. Une blague du réveil un peu à chier.
Mais non, mais pourquoi ils me ralentissent là? En plus, ils prennent les raccourcis, ces gros malins. Donc vous voyez, faut pas faire con. Waouh, là c'était fulgurant. C'était fulgurant, la course était vraiment à chier. Bon, faut vraiment qu'on se rattrape là. Faut vraiment, vraiment qu'on se rattrape. Parce que ça m'embête un petit peu de finir dernier là. Encore une fois. Non, c'est pas possible. Franchement, non, on la recommence. Je suis désolé, les amis. On recommence. Je peux pas continuer une course comme ça en finissant avec ton accident. Là, faut que je me concentre un peu plus. Oui, je sais. Je suis en facecam. Vous avez pu le remarquer. Je tiens à être pas désolé parce que vous êtes content, à mon avis, que je sois en facecam pour une fois pour changer. Et vous pouvez constater aussi, je pense, le micro d'un côté. J'ai fait que je prenne me mettre en facecam parce que j'avais envie, tout simplement, déjà par commencer. Et puis en même temps, ça nous fait changer un petit peu. J'ai fait 2-3 vidéos, je crois, il me semble, hors facecam, vous voyez, donc je tiens quand même à vous le refaire. Voilà, je compte remettre la facecam. Mais ce qui s'est passé, tout simplement, les amis, c'est que je n'avais pas trouvé la bonne, on va dire, le bon calibre par rapport à la facecam. Vous savez, sous le fait que soit ça va pas, et vous voyez que c'est un peu pénible. Vous savez, sous le sens que soit le micro il prenait toute ma tête et on voyait plus rien, soit il le prenait pas, ça c'est... Non, mais non, franchement, non. Faut arrêter, quoi. Là, c'est de l'acharnement pur et dur. C'est de l'acharnement pur et dur sur moi. Putain, cinquième, quoi. Là, il y a un tour en plus. Non, si on monte les escaliers comme ça, comme des Macs, c'est grave. Eh ben, c'est grave. C'est grave, ce jeu est complètement what the fuck. Allez, là. Là, on se concentre maintenant, les amis. Et là, c'est fini la rigolade. Maintenant, je vais mettre une sauce. Bon, j'ai parlé peut-être trop vite, j'ai dit une sauce et on est passé sixième, hein. Donc, soyons plutôt, soyons pas négatifs, passons dans le positif. Et soyons, se disons qu'on va finir premier. Non, mais nous n'avons pas de véhicule approprié aussi. C'est pour cela, tout simplement. J'ai acheté trop de véhicules sans vouloir les remonter vraiment à la course. En fait, ils nous poussent à acheter des véhicules, c'est pour ça qu'en fait on gagne pas. C'est pour ça qu'on gagne pas. En fait, ils nous poussent à acheter des véhicules, tout simplement, beaucoup plus cher. Mais à sachant que c'est des packs qui vendent et qu'il faut payer avec de l'argent réel. Donc vous voyez, c'est même pas de l'argent du jeu, c'est de l'argent réel. Voilà. Et c'est tout de suite, j'ai vu une annonce, 99€, on va dire 100€, le pack de voiture, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait, enfin bref. Donc vous voyez, ça fait un peu d'argent quand même pour un jeu, voilà quoi, qui est totalement gratuit. Après, il nous a mis une pilule suite devant. Regardez ça. C'est un truc de fou. Regardez sur le GPS, on ne voit même plus. Non mais franchement, il y a un bâton quelque part. Bon, c'est pas grave. Voilà, hop. Faut qu'on double le deuxième, au moins le deuxième. Faut qu'on finisse dans les deux premiers, dans les trois premiers. Nous sommes troisième pour le moment, donc ça va. Mais, eh ben non, on l'était, hein, je tiens à le dire. Mais nous sommes quatrième, mais c'est quoi ce bordel en fait? Je comprends pas ces courses. Il faut qu'on refasse les anciennes pour pouvoir gagner quelque chose, réellement en argent, parce que je pense que là, il y a une possibilité, oui, vraiment, il va falloir refaire les courses précédentes et finir premier pour pouvoir gagner un petit peu d'argent et s'acheter une voiture beaucoup plus puissante ou alors la remonter carrément. Mais là, ça me pose un petit peu de soucis parce que, regardez, quand on voit le prix des pièces quand même, qui est beaucoup plus élevé, non, je suis désolé, mais là, c'est pas possible du tout. C'est quoi cette course complètement de merde? Je m'énerve pas du tout. Vraiment pas, mais là non, ça me saoule un peu. Vous voyez? Donc, si ça avance pas, il n'y a pas d'évolution dans ce let's play. C'est pas la peine. Hein. C'est n'importe quoi. Moi, je veux retourner à jouer à Connecting Malls. Hein. Franchement, je m'éclatais plus que sur ce jeu. J'ai l'impression qu'il est complètement cheaté. Non, mais non, là, non. Excusez-moi, je suis désolé. Mais là, c'est un jeu complètement cheaté. C'est pas possible. Bon, on va quitter la course. Ah, c'est la première fois qu'en pleine vidéo je fasse ça. Parce que là, c'est vraiment, ça me gonfle vraiment. Et on n'a rien qui avance, quoi. Donc écoutez, on va passer aux courses précédentes. Et on va essayer de gagner celle-ci. Parce que là, il nous manque une étoile. Il faut qu'on débloque toutes les étoiles qui est ici. Hein. C'est pas possible du tout. Voilà. Donc toutes les courses qui ont pas d'étoiles, on va les faire. Et on va essayer de gagner une étoile. Donc éjection, classique. Il nous manque une étoile à Tokyo. Écoutez, on va prendre la Tokyo encore. Mais par contre, on va changer carrément le véhicule. Parce que là, non, c'est pas. Faut pas déconner, quoi. Là, ils nous prennent un peu pour des chevrons. Oh, 3500, 3000, non, mais faut pas déconner, hein. Faut pas déconner. Eh ben, écoutez, suivant.
Et on va faire celle-ci. Donc là, on a fini deuxième position. Là, il faut qu'on finisse première position. Donc c'est que cette voiture, on ne gagne pas la première position. Là, il y a un problème de cheat de jeu. Tout simplement, l'IA est trop compliquée et trop balèze pour nous. Et là, il y a un... là franchement, ça serait impossible de continuer sans acheter vraiment des packs. Et moi, comme je ne veux pas en acheter, eh ben écoutez, ça va être galère. Donc voilà, c'est bien dommage parce que pour un jeu 100% gratuit, il n'est vraiment pas 100% gratuit en fin de compte. Il y a un petit truc qui a été revu. Hein. Voilà, il y a un petit peu une, un petit truc qui nous pousse à l'achat. Et moi, je ne veux pas payer. Voilà, magnifique. Nous passons à l'aise haut la main. D'un côté, on ne sommes pas si mal que ça. J'en ai remarqué un truc. Quand je passe là et je passe là, vous voyez, ma voix a totalement changé. Par contre, ouais. Est-ce qu'on peut faire les deux vrilles? Oui, bien sûr, pour gagner un peu de boost. Ce serait plutôt sympa. Hop, le boost. À fond, nous sommes premiers, donc ça va. Là, je vais prendre un raccourci, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, quand je vous ai dit tout à l'heure que dans le début d'épisode, on finira premier. Eh ben, on finira pas premier. Tu tiens pour moi. On finira même peut-être dernier, je dirais. Faut pas parler trop vite, mais franchement, non, faut pas déconner. Là, ça m'a un peu... on va dire limite un peu gonflé, quoi. De faire des courses comme ça où on finit dernier, quoi. C'est énervant, quoi. C'est pas limite inhumain, parce que j'allais dire inhumain. Mais c'est limite n'importe quoi. Et moi, ça me gonfle quand c'est comme ça. Je suis pas fan de... Non! Putain, non, franchement, non, Raph, non. Là, c'est moi, tout simplement, ce n'est pas le jeu. C'est moi qui ai fait une grosse erreur de calcul. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, là, à ce moment-là. Voilà, hop, éjection. Là, c'est quand je suis énervé, voilà, je la joue à la pourrie, vous voyez. Wow, wow, voilà. Hop, on lui met une pilule, bien sûr. Si on peut essayer de finir premier, ça serait plutôt cool. Pas de dérapage, pas de tu fais le malin, Raph. Voilà, si, quoi que dérapage pour gagner un peu de nitro. Voilà. Ah, faut pas qu'on se mange un poteau. Voilà. Et pas un poteau. Ah non, 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 non. Nous sommes quatrième, quoi. Regardez. Franchement, non, là, il y a du cheat de jeu, excusez-moi. Franchement. Là, il y a du cheat de jeu. Non, je suis désolé, on était loin devant. Regardez, l'outil il passe devant. Il est premier, il est loin devant en plus. Franchement. Je suis désolé, je suis pas d'accord. C'est. Non, là, c'est franchement, ça, c'est rageant, quoi. C'est vraiment rageant sur ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de complètement n'importe quoi? Depuis la dernière mise à jour, c'est devenu impossible à jouer. Limite, on finirait dernier. Tout le temps. Bon, là, le premier, non, mais franchement, j'ai fini en deuxième position. Je comprends mieux pourquoi maintenant on finit ses deuxièmes. Hein. C'est 100% totalement logique. Hein. Mais là, ça rentre dans le côté impossible à finir premier sans acheter un pack. Hein. Après, je vais pas parler trop vite non plus, mais. Mais regardez le premier, la distance qu'il nous a mis. Et qu'on était loin devant lui, quoi, en fait. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc bizarre, quand même. Il y a un truc bizarre. Pour lui finir devant, lui, c'est un peu chelou. On va essayer. On a un tour. Ah, la ligne d'arrivée est devant. Non, c'est mort. On finira deuxième, hein. Je suis désolé, les amis. Voilà, bah, cette fois-ci, donc, franchement, dans cet épisode, on n'aura pas fait une course premier. On n'aura pas fini premier une seule fois. Donc, ouais, c'est un peu, on va dire, la course de merde. En plus, c'est la Audi R8 qui finit premier. En gros, faut prendre une R8, quoi, pour passer premier, limite. Je comprends pas, moi. Pourtant, la R8 n'est pas si rapide que cela. Ouais, j'en sais rien, ça me gonfle, moi. Ça me prend le chou, ces histoires. Élimination. Écoutez, je vais prendre l'élimination. Ouais. Ouais, suivant. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose comme véhicule? Ah, mais on avait celle-là. Je suis con. On avait l'Audi RS3. Ouais. En classe C. Et je l'avais zappé celle-là. Et ouais. Donc là, franchement, si on finit pas premier à celle-ci, là, c'est qu'il y a un petit problème. En classe C, on aura un problème. Bon, c'est vrai qu'en classe C, elles sont beaucoup plus beaucoup plus rapides, hein, faut dire. Allez. Allez, Raph, allez. Bon, on aura conduit un petit peu, on va dire, à un certain... Ah ouais. Ah ouais, bon. On a une belle Audi, mais quand on voit les voitures qui sont devant nous, les voitures sont beaucoup plus importantes, on va dire, beaucoup plus sportives que les nôtres là. Même si la Audi, elle est beaucoup plus rapide quand même, hein. Il n'y a pas photo. Au niveau vitesse, on a un certain ressenti beaucoup plus complexe quand même.
On sent qu'elle a de la pêche. On sent qu'elle a de la pêche. Mais on finit quand même 4ème. Et non, 3ème. Donc faut qu'on finisse premier. Faut qu'on finisse premier, vraiment, à celle-ci. Même si dans les courses élimination, je suis pas très très fort. Mais on va essayer d'être un peu plus fort que d'habitude. Qu'en général. Hop, le nitro, le nitro. Ouais, premier, 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 premier. En plus, on l'emmène pilule. Mais si c'est pas beau. Voilà, hop. Oh là là, oh là là, oh là là, double viri. 8ème éliminé, on s'en fout du 8ème, nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut être premier. Voilà, hop, tout en dérapant. Non, moi, pas manger la barrière. Non, moi, pas manger la barrière. Ah, c'était n'importe quoi. Oh là là là, je vous jure. On prend tout droit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Excusez-moi. Voilà, j'arrêterai de tousser maintenant. Bon, on leur a mis une belle avance. Hein. Alors, c'était quoi qui nous manquait? Parce qu'on nous manquait... 2 étoiles, non? J'en sais rien, en fait. Je regardais à côté de moi, tout simplement, pour voir s'il manquait pas quelque chose. Wow, 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 my godness! J'ai cru qu'on allait finir dans le... Dans le merdier. Proprement dit. Hop, hop, vas-y, vas-y, vas-y. Oh là là, le virage de la mort. Franchement, non, je voulais pas... J'ai eu peur pendant un quart de seconde. Bon, elle glisse pas, hein, je le reconnais. C'est pas une voiture qui glisse, vraiment. Voilà, on a passé la ligne d'arrivée, déjà. Ça, c'est sûr. Ok, c'est coup sur le 5ème. Mais en fait, il y a combien de tours exactement? Parce que nous sommes... Ah bah oui, il en reste 4, donc encore 2 tours, hein, à mon avis, pour diviser par 2. Ouais, ouais, d'accord, donc c'est bien... Ouais, faut bien diviser en fait pour savoir le nombre de tours. Par rapport au nombre de joueurs. Et on saura le nombre de tours. Si je me trompe pas. Donc si on divise par 2, automatiquement il nous reste 2 tours. Parce que le 3ème va être éliminé, il nous restera. Voilà, donc le 4ème va être éliminé, va rester le 3ème. Et puis vice versa. Si on peut continuer à leur mettre une belle avance comme ça, ça serait plutôt cool. Bon, ce qui n'a pas l'air de vouloir se faire. Si, par contre, si, si. Aussi, regardez l'avance qu'on leur met. Donc notre Audi, quand même, on va dire, elle est plutôt rapide. Elle est bien rapide. Et ils nous mettront pas une belle avance, là, cette fois-ci. Du moins, 3ème éliminé. Donc c'est bon, c'est bon, c'est bon signe. Nous sommes 2. Donc la ligne d'arrivée, c'est pour nous. La ligne d'arrivée, c'est pour nous. Et si on arrive premier à la ligne d'arrivée, on a gagné. Voilà, parce que le 2ème sera éliminé, logiquement. Et donc, on finira prom 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1. Ouais, on est sur le premier, on a gagné la course. In the winner, in the Raftouille. Voilà, donc Raftouille a fini proms de cette course complètement what the fuck. Ça veut dire qu'elle était bien sous le sens, mais qu'est-ce qu'elle était complexe? On va dire en gros, regardez, on avait une Audi RS3 Sportsback, aussi la même que nous, qui a fini deuxième. Donc vous voyez, cette voiture-là, elle m'a l'air vraiment super rapide. Par contre, vous avez vu, regardez en bas. Nous avons des véhicules quand même beaucoup plus rapide. Donc on a les 3 étoiles du haut. On a les médailles. Total 419. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc crédit, bonus crédit double, ça existe, non? Non, bon, bah écoutez. Donc course parfaite, 10 obstacles, étoile bonus, médaille 19. Eh ben écoutez, c'est beau, non? Saison 3, les amis, félicitations. Tu as débloqué la saison 3. Récompense 1500. On a 3683. Crédit, donc écoutez, plutôt bon point, plutôt un bon point sur ce niveau-là. Donc éjection, nous avons la course classique de Guyane. Et par contre, ah, c'est des classes D, donc vous voyez, en classe D, nous n'avons pas énormément de pièces. Saison 2, ouais, mais nous avons la saison 3 maintenant. Et regardez, oh putain, ça va être magnifique. Par contre, électrique. Électrique. Et il y avait les éjections. Barcelone, ah, Barcelone. Ouais, mais on a toutes celles-ci à finir encore. Vous voyez, on a encore celle-là, Tokyo Inverse. Est-ce que Tokyo Inverse, on peut changer de voiture? Écoutez, on va la refaire. Parce que je suis pas du genre à rester sur une défaite. Est-ce qu'on peut changer la classe? Ah non, on peut pas changer la classe, malheureusement. Écoutez, on va prendre la Audi. 392, 204 km/h. On va changer sa peinture. C'est de la peinture qui me porte la poisse. Oh, rouge, elle est magnifique. En plus, il y a des nouvelles couleurs. Et oui, effectivement, regardez, les amis, il y a des nouvelles couleurs. Avant, on n'avait pas des couleurs comme ça. Depuis la mise à jour, ils nous ont rajouté de nouvelles couleurs. Oh, orange, elle est magnifique. Ah oui, non, là, elle pète. Rouge, elle pète encore plus. Bleu, on l'avait. Noir.
Et jaune. Ah, jaune. Ah, moi, j'aime pas trop jaune. Écoutez, orange, elle me plaît. Orange, elle me plaît. Orange, on va dire plutôt jaune. Jaune-orange, limité entre les deux. Voilà, donc ça fera déjà 25 minutes d'épisode, les amis. Il faut qu'on finisse premier ceci avec notre superbe Audi. Surtout qu'on sait que maintenant les Audi sont bien rapides. Bon, bien sûr, c'est une électrique. Ouais, c'est une électrique tout simplement. Donc, voilà. D'accord, donc maintenant ils ont même fait des catégories électriques et moteur, quoi, tout simplement. Ah, sympathique, d'accord, d'accord. Donc, vous voyez déjà avec la Audi, on y arrive un peu mieux quand même. Bon, nous sommes cinquième, bien sûr, je reconnais. Mais ils nous mettent moins d'avance, regardez quand même. Est-ce qu'avec l'Audi, on va voir si on a une certaine différence de course, d'avance sur les véhicules, ou est-ce qu'on en a moins? Parce qu'il faut savoir qu'elle est beaucoup moins rapide en vitesse de pointe, mais en accélération, elle est beaucoup... elle est largement meilleure quand même. Non, pas le pied! Putain, il fallait qu'on se mange le pied du robot. En fait, en quelque sorte, qui nous a servi à rien. Voilà, tout simplement. Donc allez, c'est parti, on reprend. En mode concentration totale, Raph. Ne fais pas le con, ne fais pas le con. Essaye de finir premier. Essaye, essaye. C'est pas gagné, je vous promets pas. Parce que vous savez que cette voiture est beaucoup moins rapide en vitesse de pointe. Donc je tiens bien à le répéter. Qu'on se fasse pas d'illusions en disant « Ouais, mais t'es complètement nul, tu finis dernier. » Tout le temps, tout le temps. Oui, je suis nul, je suis archi nul et je le reconnais. C'est ça le truc, donc vous avez même pas besoin de me le reprocher. C'est que je le sais, c'est ça le plus ahurissant de tout ça. On peut pas prendre l'Audi, donc vous le savez que l'autre Audi RS3 Sportsback, on peut pas la prendre pour cette course. C'est bien dommage parce que j'aurais aimé la prendre, mais apparemment il ne laisse pas la possibilité. On aurait l'Audi, franchement les amis, on serait premier là, alors qu'il est. Hein. Tout à fait, totalement. Donc 243 km/h en vitesse normale avec le turbo. Donc vous voyez, on n'a pas une super voiture. Super rapide. Et ouais, non. Regardez l'avance qu'ils nous ont mis. Putain, l'IA est complètement cheatée, quoi. C'est pas possible. Franchement, les véhicules de l'IA est complètement cheatée. On peut pas... si limite, on finirait jamais premier. À moins qu'il faut monter les voitures à bloc. Mais là, pour monter les voitures à bloc, il faut avoir toutes les étoiles de toutes les courses. Ouais, et moi, je ne les ai pas. Alors là, ça me pose problème. Ouais, quatrième, quoi. Non, en fait, on a fait mieux avec les précédentes voitures, quoi. Tout simplement. Donc, vous pourrez me mettre autant de pouces rouges que vous souhaitez. Ça, je vous le dis clairement, ça sera largement, mais largement mérité. Voilà, bah, là, franchement, non. Pff, franchement, c'est... On peut recommencer du tout, hein. Ah bah, un peu, oui, je recommence. Voilà, non, on va essayer de la faire mieux, là. Faut pas déconner. Allez, on se replace comme il faut. Et on recommence. Allez, last fois... Vraiment, là on va essayer de faire mieux, parce qu'en fait c'est un mauvais départ. Voilà, tout simplement. Hop, un départ en turbo. Et on se concentre un peu plus à la course pour essayer de finir dans les premiers. Hop, je vais tourner le micro un tout petit peu. Voilà. Hop, voilà. Là vous m'entendrez mieux. Bon, maintenant on va essayer de finir premier. Ce qui n'est pas gagné parce que bon, vous savez que... Regardez, elle glisse... Ah ouais, putain, en plus elles ont la fonction... Ah ouais, non, mais elles ont pas mal de trucs. Elle est hyper intelligente, l'IA, faut reconnaître. L'IA est hyper intelligente. Oh, on lui a mis une pilule. Mais ils vont nous remettre une pilule parce que nous n'avons pas le véhicule approprié. Tout simplement. Et voilà pourquoi le problème. Où il est? Le problème, il est là. Voilà. Hop, on lui a mis le nitro. On l'a éjecté. Donc, si on peut finir dans les deuxièmes, ouais. Mais comme ils sont bien, bien intelligents, ils sont bien, bien avancés. Ça va être assez dur. Ah oh, bah lui, lui plus couillon quoi, j'ai pas trouvé hein, encore pour le moment. On verra. Vous avez vu ça, il s'est mangé le mur, un truc magnifiquement joli. Et j'ai employé un mot qui n'existait pas dans le dictionnaire. Magnifiquement joli. D'accord. Magnifique plutôt. Joli. Oui, parce qu'on m'a fait la reproche déjà, donc Minito m'a fait la reproche de me dire, putain, tu parles bien français, toi tu fais t'emploi des mots qui n'existent pas. Oui, donc je te tiens à te remercier, Minito, de tes commentaires, comme ça tu pourrais te les garder là, ou hein, tu pourrais te les garder dans le fond de ton cerveau. Voilà. Bon, bien sûr, je reconnais, si je parle comme ça, c'est un peu un membre de ma famille. Et j'aime bien un petit peu le taquiner. Voilà, magnifique, franchement. Non, mais il va nous ralentir. Voilà, faut pas qu'il nous ralentisse. Voilà, donc c'est vrai que j'aime bien un peu l'emmerder un petit peu. C'est un peu spécial, voilà quoi. Il faut savoir un petit peu aussi un petit peu rigoler dans la vie. Donc nous avons un tour, si on finit premier là, franchement, on a tout bénef.
Voilà, on a tout bénef si on finit premier là. Non mais faut qu'on l'éjecte. Voilà. Vas-y Raph, continue sur cette voie là, tu vas le... Oh! Non, j'ai pas vu que c'était un mur. Oh la honte. Ah ouais, non. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit un mur. Ah ouais, non. Là, je suis désolé, là, c'est... Ah ouais, non, là, je suis désolé, mais là, je m'attendais pas à un mur. Je pensais qu'on pouvait passer. C'est... Ouh, c'est n'importe quoi. Vas-y, hop, toi, je t'éjecte, parce qu'il m'a énervé un petit peu, lui. Et je tiens au moins à finir troisième, pour la dignité de la course. Mais bon, non, en fin de compte, on finira même cinquième. Donc, comme ça, ça sera plus une dignité, ça serait carrément une... Non, comment on dit ça? Ah, je vais laisser tomber. Ce serait carrément du grand n'importe quoi, quoi. Hop, allez, vas-y. Voilà, une humiliation. Voilà, ça y est, j'ai trouvé le mot. Ah, vous voyez que des fois, j'ai du mal un petit peu à trouver ce que je veux dire et j'ai du mal. Ah non, sixième, quoi. Ah ouais, non. Faut pas déconner, quoi. Là, on rentre dans le contexte de la connerie, quoi. En fait, on n'a pas la voiture appropriée, c'est ça. Puis simplement. Mais moi, je m'en fous, je veux finir quatrième. Mais tu m'emmerdes. Voilà, donc franchement, non, on n'a pas la voiture appropriée. Si cette voiture-là, franchement, on la monte à bloc, je pense qu'il y a une possibilité d'aller loin avec ce véhicule. Mais après, derrière, il faut avoir la classe, c'est aussi. Il faut avoir une classe assez élevée. Voilà, hop. Et lui, il va pas nous éjecter. Voilà, hop. Si on peut finir quatrième pour la dignité. La dignité, oui, vas-y, la fierté de Raph. Ouais, bon, bah, quatrième, hein. C'est un peu mieux que dernier. On aurait pu finir dernier, mais on a failli, hein. On a failli. Mais non, ça va. J'ai rattrapé la sauce en quelques sortes. Ton fantôme est prêt à hanter cette course. Non, on va pas l'hanter du tout parce qu'on a fait un temps complètement à chier. Voilà. Donc, bah, écoutez, on a les médailles, on a les points, on a l'argent. On a 432 de l'argent. L'argent. De 432 d'argent, quoi. En crédit, si vous préférez. On a... une étoile, et en plus en classe D, donc vous voyez, comme ça on n'a pas gagné grand chose, nous avons 4115. Écoutez, ce que je vous propose avec 4115, c'est qu'on augmente la catégorie de cette voiture, tout simplement. Donc on va passer au garage, ouais, voilà, bon, je comprends que l'épisode va durer beaucoup plus longtemps, à savoir que maintenant on aura un peu plus de temps, voilà. Donc si on augmente cette voiture, on la monte à, on met le pack qui est ici, un exemple. Attendez, est-ce qu'on peut monter par contre? Non, putain, excusez-moi, hein. je cherche. Voilà, non, mais ah, my god. Voilà, si on passe ici, on va passer de 207,8 km/h. Ah non, en fait, ça nous changeront. Ouais. Non, alors écoutez, on va pas augmenter ça. Inventaire pro, qu'est-ce que c'est? J'ai pas vu qu'on l'avait. Acheté pour 35, on nous en avait 0. Ou 100 étoiles requises pour débloquer 5 espaces. Vendre cartes, toucher les cartes pour les vendre. D'accord. Obtenir boîte pro, tu n'as aucune... D'accord, donc vous voyez, je vous l'avais dit, c'était des pièces à acheter. Écoutez... Ah, on n'a plus de trucs. C'est la Tesla, ça? Non, c'est la Dodge Kart. Dodge Dart GT. 213 km/h si on l'augmente, non... 217. Qui a un 5,97. Écoutez, regardez si on l'augmente un petit peu. On va passer de 2 à 221 km/h. Donc elle est beaucoup plus rapide, hein. Il y a pas, dans l'ensemble, il n'y a pas photo. Hein. Après, ouais, non, j'en sais rien. En fait, ça me pose un peu de colle. Ah oui, d'accord. En fait, on passe à 221 km/h. Bien sûr, les amis, si on augmente tout. Ce qui veut dire que va falloir passer aux pièces plus puissante. Voilà, donc on a bon niveau 2 ici, on a bon niveau 1 là, niveau 1 là et niveau 1 là. Donc on va passer en vitesse max en niveau 2. Et on a que 4655 et merde. Écoutez, on va voir les autres véhicules. Je vais pas faire d'erreur, vous voyez vraiment. Ouais. La Tesla 212 4 secondes 11. Ouais, et, écoutez, la Tesla aussi me tape bien. Niveau 2, 4500, toujours pareil, 2000. Non, écoutez, on va prendre l'autre là, qui est beaucoup plus augmentée, la Cadillac. Ouais, c'est la Cadillac, parce qu'on n'avait pas une voiture qui était beaucoup plus puissante. Ah, regardez, pour 5000, on a celle-ci.
218? Ah, mais elle met plus de 7 secondes quand même. C'est un pacha. 3,92, ouais, mais non, mais elle est trop élevée au niveau des tarifs. On n'aura jamais l'argent. Écoutez, oh ouais, elle est magnifique. Et il faut pas rêver, on l'aura jamais. Voilà, c'est clair en moins. Bon, bah écoutez, on a que ça en véhicule en fait. Ouais, on a que ça en véhicule, hein, tout simplement. Hein. 212, la Tesla, modèle S. Ouais, non, on va prendre celle-là. La Cadillac. Et on va l'améliorer. Ah, mais en amélioration, ça nous ferait trop d'argent. On n'aurait pas les moyens. Niveau 2, putain. Allez, on va passer au niveau 3. Niveau 3, les amis. Donc, on passe à 4. À. Quoi? On faisait des points de 217,4 km/h. Donc, on a pris une puissance de nitro de 24. Pour faire 5,28. Non, mais sans déconner, on s'est fait arnaquer en fait. Ouais, bon, écoutez. Dans l'ensemble, bon, on aurait pu faire pire. Mais c'est pas si mal dans l'ensemble. Voilà. Bon, en tout cas, nous, je pense, les amis, qu'on va vraiment cesser là pour cet épisode d'aujourd'hui sur Asphalt 8 Airborne, épisode numéro... Je n'en sais rien. Voilà, je vous le dis, je n'en sais rien de l'épisode... Le numéro de l'épisode. En tout cas, enfin bref. Donc, j'espère qu'en tout cas, cet épisode vous aura plu. Désolé pour toutes ces courses complètement à chier. Aucune course, on a fini premier. Le meilleur temps, on a fini deuxième. On a fini premier une fois sur 7 courses, limite. Voire un peu moins quand même, je suis un peu abusif, je peux comprendre, mais je tiens vraiment à être désolé pour cette course complètement, ces courses complètement à chier, voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos likes, vos dislikes, parce que je peux comprendre si vous m'en mettez que cette course a été pourrie. Moi je vous dis à la prochaine, merci de votre attention, amusez-vous bien, passez une agréable journée ou une agréable soirée, et à la prochaine vidéo. Salut à toutes et à tous.